C'est très fort dans mes oreilles, j'ai baissé, j'ai sombré hier soir. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est quoi la mission? Incendie détecté en surface, l'extinction immédiate de l'unité de forage principale du secteur A est recommandée. D'accord. Ah, mais là, ici, ça va être la merde. Alors, je vais prendre ceci. Tim m'a dit que tout le pétrole de la zone passait par ici. Il faut que je réduise le flux dans ces tuyaux pour faire baisser la pression de la colonne principale. Il faut que je fasse baisser la pression, je suppose, comme ceci. Ça a baissé la pression, bravo. Retour à la salle de contrôle. Ok. Au secours ! Il faut que je prenne un ça, voilà, ça. Je suis où ? Ok, Et donc? Comment je fais pour scanner? Je me rappelle plus des touches! Ok. J'ai combien de bâtons de... Oh, mais j'ai que ça comme bâton d'oxygène? Il y en a là. Bravo. Je prends tout. J'avais presque oublié que à quel point les contrôles étaient infâmes dans le jeu. À quel point c'est chiant parce que on voit rien. Et voilà. Quel plaisir de se souvenir de cela. N'est-ce pas ? J'ai fermé la porte. Je vais rouvrir. C'est une vitre ça, non? Oui. Mais là, c'était là où j'étais, non? J'arrive pas à me repérer. J'ai bientôt plus de... Prends ça. Un niveau de pression acceptable. Enfin. Ok. Je sais pas quoi foutre. C'est là ? Je ne sais jamais quoi faire dans ce jeu. Et c'est ça qui m'agace. On joue un père de famille qui a perdu visiblement sa petite fille dans un accident de voiture. Arrête. Donc, trigger warning, perte d'un être cher.
Prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Ça va être la question, hein. Ça va être la question. Une trench est là depuis des années. Chaque jour, tous les jours, à pomper jusqu'à... Éteindre manuellement la foreuse principale. Comme un foutu vampire. Allez, j'ai un monstre à tuer. Unité de forage principale, ok. Vas-y. Vite. Je vais avoir assez de mine, moi. Oh, mine, mine. Je suis pas sûre d'avoir assez de mine pour le travail, là. Il est allé trop loin. Ça dure encore. Hop. Ça c'est bon. Là je l'ai pas faite, non. Ça a l'air d'être allumé. Oh. Si c'est allumé, c'est que c'est fonctionnel. C'est où? J'ai raté la porte, c'est là-haut. C'est dommage parce que le jeu, il est pas moche. Hein. Non, non, il est même... Il a tout de même des qualités. On peut pas le lui enlever, mais... Mais voilà, ça fait chier quand même, hein. Il a quand même de sacrés défauts. Elle a tout à fait le droit de riposter. Donc voilà. Donc mais je reste à côté moi. Je suis un peu con. Voilà. Bravo. Ça suffit.
Ok. Trouver la sortie, c'est quelque chose, hein. C'est compliqué, hein. Déjà, je comprends pas pourquoi des fois il y a la minimap qui est affichée, des fois pas. Là, par exemple, c'est un moment où je crois que je vais aller me faire foutre. Par exemple. D'ailleurs, il n'y a pas une option peut-être pour l'afficher de façon constante? On ne sait pas. Et voilà. Et là, elle y est. On ne sait pas pourquoi. Eh ben, yes! Tant mieux. On n'a pas d'explication, mais on a la solution. Et ça, ça régale. Donne-moi ça. On se casse par l'ascenseur. Il est infiniment long cet ascenseur. On va à quel étage, hein? Ça y est, c'est bon. Pourquoi j'ai l'impression qu'il va se passer un truc de fou là? Pas du tout. C'est grave drôle. Comme si t'étais un être vivant. Comme si tu... C'est trop beau, OMG. Mais c'est pas le cas. T'es un sous-marin. Une machine. Quand on donne un nom à quelque chose. Moon. Mercury. On lui donne aussi un visage. C'est Méduse. Que des systèmes nerveux. C'est trop beau les méduses, OMG! Je trouve ça trop beau. J'aime trop. Alors. Est-ce que t'es si différent d'elle? On a tous besoin de compagnons. Regardez le spectacle! Mais
ici pour être seul, mais j'ai fait de toi mon plus précieux compagnon. Ça va pas, Stan, non? Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit que tu es... Enfin voilà, tu vas pas bien, frérot, hein? Et ses voix? C'est pareil? La solitude qui se manifeste? Peur? L'esprit qui se débat avec lui-même? Écoute-moi raconter n'importe quoi. Je crois. Il faut que je dorme. Allez, l'ami, on rentre. Je sais pas où je suis, encore une fois. Est-ce que je peux avoir la minimap, s'il vous plaît? Je sais pas comment je sors d'ici. Sûrement par là. Mais comme je peux pas avoir accès à la carte, je ne sais pas. C'est à peu près par ici. Mais non, mais le secteur A, c'est là d'où je viens. J'y comprends que tu... Sortir. Donc c'est par là. À peu près. Bravo. Je pense que c'est par là en vrai. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est là d'où je viens et en même temps, c'est l'impression que c'est là où je dois aller. Alors, j'ai raison dans un cas ou dans l'autre. Peut-être. Ou peut-être que j'ai raison dans aucun des cas. Boum. Ah ouais. Aïe. Oh! Qu'est-ce qui se passe? La cinématique? Pas du tout, juste un chargement. Allez! Vivre. Je te dois une fière chandelle, gamin.
Ok. Bing, je suis là. Je veux aller. Je veux aller où déjà? Ici. C'est pas génial. Alors imagine ce que ça aurait donné sans ton aide. Les drones combattent l'incendie en ce moment même, mais il y avait beaucoup de brutes dans la plateforme. Au moins c'est sous contrôle. Tu peux respirer. J'ai plus de carbu. Ça y est, j'ai du carbu. Ok. On rentre à la maison. C'est si calme ici. J'avais jamais remarqué. Ah oui. Isolé. Vraiment, t'avais jamais remarqué que genre t'étais tout seul là. Et que jamais personne te répondait, malgré que tu parles tout seul. Appeler Emma. Je crois que j'en ai bien mérité une autre. De quoi? De douche? Ce serait que la deuxième depuis le début de... du jeu, hein. Et en termes de jours, on est à une quinzaine de jours, je crois. Donc deux douches en 2 semaines. Bon. Stan. Stan, tu m'entends? Ouais. Oui. Oui. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Je t'en prie, dis-moi que... Ça va, ça va. L'incendie est à la surface. Je vais bien. D'accord. Je veux que tu rentres à la maison. Maintenant. D'accord. Je peux pas. Si. Si tu peux. Tu crois peut-être que non, mais tu peux complètement. D'accord. Non, elle a besoin de... Elle? Qui ça? Une dirigeante interchangeable de chez Unitrench? Oui, tout à fait. Non, non, non. Je comprends pas. Emma, je vois. Oh. Je l'ai vu. Je l'ai vu, Emma. Je l'ai vu là en bas. Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais pas t'inquiéter. Mais. Emma, c'est Pearl. J'ai vu Pearl. Je sais que c'est dur à entendre. Dieu sait que c'était dur à voir, mais. Je te le jure. Elle est venue à moi. D'accord. Une opération d'entretien de routine, du nettoyage en fait. Et... Je passais le balai, tranquillou. Il y a eu cette lueur et sa peluche. Tu te souviens? Lumière. Je sais que c'était. Tu es complètement fada. J'aimerais que tu m'écoutes. Je. T'as entendu?
vu Pearl. Je vais appeler Tim. Je vais appeler la police, ou les gardes-côtes, ou peu importe qui est censé réglementer cette cette boîte. Non, 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 tu m'écoutes pas. Parce que tu ne vas pas bien. Voilà. Elle dit les termes. Elle a dit les termes. Je suis pas... Je l'ai vu. Je l'ai touché. Elle m'a sauvé. La vie en bas. Non, non, t'es en train de devenir fou à cause du déni. Voilà ce... Voilà la vérité. Elle portait une combinaison ? Non, elle était... besoin d'aide. Et je vais t'en trouver. J'appelle Tim. Non, non. Non, s'il te plaît. Il... C'est autant pour toi que pour moi. Je suis... Tu es quoi? Ça n'a pas d'importance. Je t'aime. Elle est désespérée parce que tu es complètement fada, voilà la vérité. Allez, bref, fumier, barre oblique. Bah... Disons que tu n'as pas l'air très sain d'esprit. Je suis désolée de te le dire. Mais bon. Alors, le journal. Ça sent pas très bon. J'ai pété, lol. Tout à fait. Un incendie à la plateforme, le module qui s'éteint, j'ai dû tout redémarrer. Ça recommence, je vois des choses terribles. La créature de mon cauchemar et la voix de Pearl venue des profondeurs. Et j'ai vu les tripes de l'opération que mène Unitrench. Merde, c'était pas le bon bouton. Ils ne font pas que forer, ils éradiquent. Je n'ai vu aucune considération pour la défense de l'environnement, aucun égard pour sa conservation ou sa protection. Même leur propre équipement tombe en ruine, faute de réparation. Tout ce qui compte, c'est le profit. Une croissance infinie et exponentielle. Et j'en ai assez vu pour savoir qu'ils sont prêts à détruire la planète pour l'obtenir. Donc oui, je sens bien quelque chose ici-bas. Une présence obscure et en colère. Oh, il va y avoir un méchant ? Est-ce qu'il va y avoir le Kraken ? Le Kraken ? Temps libre. Je peux aller me coucher ? Pourquoi il dort au bord du lit comme ça? Plutôt que de prendre toute la place. Bizarre. Remarque, je dis ça, mais moi je dors toujours du même côté de mon lit. Pareil. Je ne suis pas fou! Je crois que si, hein. Est réel. Je sens la route sous mes pieds. Je sens l'air sur mon visage. Pearl, où es-tu? J'allais là, peut-être. J'allais dans la voiture peut-être. Pearl. Mmh.
t'abandonner. Pas cette fois. Ça me donne envie de chialer. Jour 16. Dégâts collatéraux. Ah oui. Sorte se retrouve dans l'océan. Bon. J'espère que ça a marché. Oh. Merck aime vraiment le rock. Est-ce que je fais partie du problème maintenant ? Oui, tout à fait. C'est pas pour ça que je suis venu ici. Allez. J'ai plus beaucoup de pilules contre la migraine. Mon petit chat. Il est en état du jour. Trop de travail, pas assez de temps. Contactez les relations employées et parlez-leur de Sleepaway, notre programme pilote. Les tâches sont arrivées au moins. Ah, un message de Tim. Équipe déménagée par sécurité, envoyée sur un navire de communication de secours. Tâche, change rien. Incendie, catastrophe pour l'image. Du nettoyage à faire, désolé, te recontacte. Au moins il est en sécurité. Alors je suis aux ordres des relations publiques d'Unit Trench maintenant. D'abord un café. Eh ben super. On dirait que le service com s'en sort bien sans moi. La faune affectée. Merde. J'espère que Joe va bien. Merde, j'ai fait couler le café et je l'ai pas bu. On va me téléphoner ? Non. Ok, cherchez Joe. Joe, mon ami le phoque. C'est parti. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Rien ici. Attends, il a un tracker. Je peux le suivre depuis le panneau. Depuis le panneau ? Comment ça, depuis le panneau ? Depuis quel panneau ? Il n'y a pas de panneau ? C'est où ? J'en ai marre de chercher tout. C'est ça le panneau ? C'est ça le panneau ?
C'est où le panneau? C'est pas ça. Eh ben super, le jeu ne m'aide pas. Est-ce qu'il faut que j'aille là-dedans et ce sera là-dedans? Je ne sais pas. Essayons. Et là, pareil, c'est une phase où je n'ai pas la minimap. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est moi, ça. Je suis abandonné dans ce coin. C'est pas trop son terrain de jeu habituel. Ok. Était au courant. Les fuites, les incidents, les marées noires. Tout l'argent qu'ils ont dépensé en communication. Pour présenter un visage agréable à la face du monde. Tout s'effondrerait. Si les gens savaient. Encore une fois, je ne sais pas où je vais. Un peu par là, peut-être. Coucou, Choisy. Ça va bien? Choisy, on se voit très souvent chez OP Crotte et quel plaisir.
juste par là. Ça va et toi? Eh bien, ça va très bien. Ça va plutôt très bien. Tu la suis depuis combien de temps, Roupé, toi, Cho? Tu la connaissais avant moi, non? Je pense que ça fait tout juste un peu plus d'un an que je la suis au quotidien. Et pourtant, je l'avais follow il y a déjà longtemps. Hein. Mais je regardais pas trop. Mais vraiment la meilleure streameuse de France, hein, OP Crotte. Hein. À peu près aussi avant, c'était aussi épisodique. Je sais pas ce qui a fait que je suis vraiment tombée sur un de ces streams, je suis restée et j'ai été conquise. Elle me fait trop rire. Hein. Bon, on devrait pas être très très loin. On devrait même être proche. Joue. J'accède par où? Là-dedans? Vraiment? Ils ont dit qu'il était scellé depuis des années à la formation, par sécurité. Personne n'y a accès. Mais si Joe est là-dedans, alors j'y vais. Oui, d'accord, mais comment je fais pour rentrer? Sûrement comme ceci qui me haïe. Tu casses ça! Le jeu te plaît? Non. Enfin. J'en sais rien. Je suis grave chiante avec les jeux en ce moment. Donc voilà. Je sens que je suis difficile avec les jeux. Hein. Je suis pas sûre qu'ils me plaisent. Je crois qu'en fait, c'est plus le fait que j'ai payé le jeu qui me fait continuer le jeu. Quels sont les plus et les moins? Alors, les moins. Les contrôles sont pas ouf. Les missions sont parfois mal indiquées, si bien que tu passes du temps à chercher. Si bien que c'est frustrant, et quand c'est frustrant, c'est con parce que le jeu, c'est censé te divertir et pas te frustrer. Et voilà. Et aussi un peu déçu parce que c'est censé être un jeu narratif. Et on attend toujours un peu la narration, hein. Voilà. Puis on sent un petit peu la chose arriver. C'est-à-dire que c'est... On joue un père de famille qui a perdu sa fille, enfin, sa petite fille, dans un... visiblement, hein, dans un accident de voiture. Et en gros, ça fait 3 ans que c'est arrivé, visiblement, et il a toujours pas digéré le truc. Et il voit sa fille quand il est au fin fond de l'océan, sous forme de petite lueur. Donc en plus de ça, il est un peu dans le déni slash folie. Et on sait, enfin, on se doute que ça va mal tourner, quoi.
Voilà, après le plus, bah le jeu est joli. Ça parle de... Il y a un petit message écolo. Voilà, c'est les plus. Mais disons que pour un jeu Quantic Dreams, qui est le même studio qui a fait Detroit Become Human et Heavy Rain, je m'attendais à bien plus qualitatif comme, comme jeu, quoi. Bon, et ben voilà. Illustration de ce que je disais. Tu sais pas ce que tu dois faire ni où tu dois aller. Et du coup, tu passes ton temps à chercher. Je dois trouver Jo. Mais je ne sais pas par où je dois passer. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je n'y vois rien en plus de ça, donc c'est vraiment très sympa. Bon, j'imagine que c'est par là, mais... Il y a un bouton pour cette porte là. Je vois rien. Okay. Et si je fonce à toute berzingue, ça le casse le truc? Crois-tu? Ou juste je me dégrade mon sous-maringue? Allez! Mais les gars! Allez! Bravo! On n'a pas simplement un bâton dans le ventre. On l'a scellé. Qu'est-ce qu'il voulait cacher? Il y a des algues ici. Vas-y, je les prends. En fait. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils annoncent le jeu comme étant un jeu narratif et que au final il y a c'est un open world avec du loot et du craft. En fait, on dirait qu'ils se sont dit vas-y, on veut faire ça et ça. Vas-y, on mélange tout et on fait on le met dans notre jeu, ça va être bien. Et du coup, t'es là, mais... C'est pas vraiment un jeu narratif parce qu'il y a autre chose. Du coup, bah, je suis un peu frustrée. Mais c'est pas vraiment non plus un open world et tout, parce que c'est un peu aussi un jeu narratif. Et c'est aussi un peu un jeu d'ambiance. Du coup, t'es là, mais... Vous auriez dû choisir, finalement, quel genre de jeu c'était, et le faire jusqu'au bout. Plutôt que de tout mélanger. Voilà, c'est un peu mon avis. Mais je suis encore perdue. C'était pas là? C'était sûrement là. Ils essaient d'en faire pour tout le monde et ratent leur cible. Bah, j'ai un peu hâte de voir les avis, mais après le jeu il est sorti il y a genre 2 jours et du coup les avis... Il n'y a pas vraiment d'avis encore sur le jeu. En fait, j'ai trop peur que ce soit moi qui soit un peu trop aigri. Et en vrai, je le suis un peu. Donc j'ai trop peur d'avoir que des avis positifs sur le jeu et de voir qu'en fait je suis juste... C'est moi qui suis une chieuse. Mais ça me rassurerait beaucoup que les gens soient du même avis que moi, finalement. Personne n'est venu ici. On dirait un zoo.
Je rappelle qu'on est à la recherche de notre ami le phoque. Il y a plein de minivues là. Non, on peut pas avoir accès à une map. Et là maintenant on a une mini-map mais c'est tout. On peut pas voir la grande map. C'est fou ça. Il y a quoi là? J'ai peur. Ok. On continue. Je vois rien. Ah oui, et plein de fois dans le jeu, il y a des endroits qui sont exigus de fou. Et c'est trop chiant. Parce que du coup, tu vois rien. Tu sais pas où tu vas, tu tapes dans les murs. La caméra, elle pète un plomb. Voilà. Globalement, ça aurait pu être mieux, quoi. Je trouve. C'est là. Vous êtes prêts? Faut prendre de les langues. Ok. Je suis du père. Je vois rien. Bon, combien de barricades je vais devoir péter là pour arriver à destination? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être dans un labyrinthe. Aïe. Mais est-ce que vraiment je progresse? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression de tourner en rond. Au secours. Au secours! Ah oui, et des fois aussi le jeu il fait chier pour rien. Par exemple, ici, très concrètement, j'ai l'impression que le jeu. Enfin, que les développeurs nous ont mis une sorte de labyrinthe parce qu'ils se sont dit « Ah bah ça va être chouette, ça fait une petite énigme là, comme ça, pour qu'ils retrouvent le phoque là. » Et genre, ça n'a aucune utilité si ce n'est de faire chier le joueur. On pourrait juste retrouver le phoque et se dire « Ah bah voilà, il va bien, c'est bon, on est copains. » Non. Genre là, c'était nécessaire de mettre un labyrinthe pour faire chier. Alors que le jeu
c'est plutôt comme ça, en tout cas, l'idée que j'en avais au départ, c'était plutôt un jeu chill, tu vois, genre, c'était pas censé te prendre le chou sur le jeu. En tout cas, quand le thème, c'est les fonds marins dans le jeu vidéo, bon, à part Subnautica peut-être, t'as pas l'impression que tu vas te faire trop chier sur le jeu. C'est pas le but. Eh bah, sachez que si, pourtant. Je suppose que pour s'en sortir, il faut savoir lire la carte. Mais où suis-je, moi, sur la carte, déjà? Comprends pas. Comprends rien. Je suis visiblement déjà venu ici. Ce qui ne me rassure pas vraiment. What? Bouge. Quoi? Bouge. Où ça? Je bouge, allez. Vite! Ouh! Wow, wow, wow! Ah oui! Je suis morte. J'ai trop bougé, ce vraisemblablement. En fait, je suis pas morte, mais pourquoi je vois pas? Bien. Ok. Ça y est, je vois mieux. Allez! Trouver Joe. Il est où? Ah oui, je peux toujours pas voir où je suis. Donc ça, c'est bien. C'est pas punitif? Bah, le jeu en soi est assez chiant pour me punir. Hein. Donc, punitif... Faudrait peut-être pas pousser, hein. C'est bon. Je suis déjà puni de jouer, si tu veux, donc bon. Là. Après, je suis méga aigri, hein. Je reconnais que je suis méga aigri, hein. Peut-être que le jeu est pas aussi chiant que ce que je prétends, hein. Mais quand même, il est... Voilà. Bon, il est où le phoque là? Oh là là. Oh là là. Lâchez-moi. Je vais pas y rester comme ça. Un peu plus de puissance, rien qu'un peu. Mais peut-être qu'il est juste là-bas. C'est là d'où je viens, ça? On dirait, hein. Donc si c'est là d'où je viens. Alors le phoque, il est sûrement en face. Genre il faut que je traverse. Ou alors il est dans les profondeurs. Allez. On ne sait pas. On va tout tester. Le phoque. Au secours. Ok.
sais pas où je suis, je sais pas où je vais, encore une fois. J'imagine qu'il faut que j'aille vers la bébête, mais... Qui peut le dire ? Aïe. Est-ce que j'ai quoi? Est-ce que j'ai cramté? Joe? Je l'ai. J'y suis presque. Dernière ligne droite. Aïe. J'ai peur qu'ils soient morts. Salon de jardin. On dirait notre salon de jardin. Je me souviens. Il y avait de la musique. Et des ballons. Elle a failli tomber. Henri l'a poussé trop fort et elle s'est affalée vers l'avant, comme une
marionnette. Désolé d'être en retard, ma chérie. J'étais obligé de... Enfin, j'ai dû... Papa, Roger m'a dit un gros mot. Un gros mot ? Et du coup... Une naze. Ouais. Roger a dit ça ? C'est un sacré gros mot. D'accord. Eh ben, je vais parler à Roger. Mais, regarde. Il a menti. Il a amené quelque chose. Petit pas naze. Oui, un cadeau. Joyeux anniversaire, ma puce. Il s'appelle Lumière. Lumière, je te présente Pearl. Vous allez bien vous occuper l'un de l'autre. D'accord ? Hein ? Oui, c'est promis. Merci, papa. C'est les émotions. Alors la musique là, c'est bon hein. Tout ce qu'on chiale là, c'est bon hein. Et là pourquoi le jeu, pourquoi ils nous font faire le retour? Déjà que l'aller était pas mal chiant. Allez. C'est pour qu'on chiale sur le retour, c'est ça ? C'est voulu ? On a besoin de se... de faire le chemin inverse pour chialer comme il faut, c'est ça ? Je sais pas où c'est. Peut-être que la sortie, elle était à côté de lui, hein. Je sais pas. Aïe. Je vais me tuer avec mes conneries parce que je suis juste impatiente et aigrie.
Mais de toute manière, là, je pouvais pas y aller avec le vaisseau, donc c'est forcément pas là. Allez, c'est pas là non plus. Mais moi, j'ai plus envie de pleurer parce que je suis perdue que à cause de la mort de Joe. Hein. Après, ça marche aussi. Hein. Donc on chiale, on est content. Je sais pas... C'était par où déjà, putain. Je comprends rien. Je comprends rien, j'y vois rien. Mais je suis bien arrivée de quelque part, par là. Je comprends pas. Voilà, je suis arrivée de là. Sans doute. Je vois rien. Allô ? Tout est chiant. Mais non, mais là, je peux plus y aller. Ben, Nick. Nick. Je vais retourner voir Joe. Et je vais mourir avec, parce que j'en ai marre. J'ai déjà passé combien d'heures sur le jeu? Beaucoup trop. Beaucoup trop pour le peu de plaisir qu'il me procure. Vraiment. J'y pep. C'est juste que j'en ai marre de payer des jeux et de... Et de pas être diverti. À la hauteur de ce que j'ai payé. Alors, on est là. Est-ce qu'on peut partir ? Vraiment, il passe entre les barreaux, là. Allez. Réellement, je sais pas. Je choisis combien de temps j'ai passé sur le jeu. Je sais pas si je peux le voir. Quelque part.
Où est-ce que je peux le voir? Je n'en sais rien. Peut-être... Neuf heures. Bon, c'est visiblement pas ici. C'est pas grave, ce n'est que la quatrième fois que j'essaye de trouver la sortie. Pour le moment, c'est pas beaucoup. Comparé à ce que j'ai déjà pu faire sur le jeu. Donc là, il y a ce truc, mais on dirait que c'est plus praticable. Peut-être que il y a un peu le même conduit en face. Pas du tout. Le plafond, c'est du plafond. Complètement à l'opposé, y a-t-il une issue? Si seulement on pouvait y voir aussi. Ah, je vais me fâcher. Je vois Kochi, je vois surtout pas où c'est. Il faut que j'aille. J'ai l'impression que c'est là et en même temps... C'est éboulé quoi. C'est éboulé. Je sais pas, hein. On va continuer. Aïe. À l'aide. La Yarine. Ça me casse les couilles! Je vais regarder une solution pour trouver une putain de sortie. Oui.
Il me saoule ce jeu. Je n'en peux plus. Je veux que ça s'arrête. Je trouve pas où j'en étais. Ok. Il trouve le phoque. Il retourne là. C'est où? Quoi? Alors, c'est tout de suite à gauche quand on a le phoque dans le dos. Ok. Je garde ça sous le coude, on sait jamais, on pourrait en avoir besoin. Alors, il est où le phoque? Il est là. Donc, la sortie est de suite là. Bravo. Comment ça? Je veux rentrer chez moi. Par là. Il faut que je me barre d'ici. Entrer dans le module d'habitation. Le pétrole naît de la mort. Et il cause la mort. Tout ça, c'est un cycle. Cette putain de boîte. Faut que je garde un œil sur le carburant.
Il y a un truc sur lequel le jeu n'est pas réaliste. C'est que cette boîte de céréales là, ça fait 15 jours qu'il l'a. Alors que moi je l'aurais défoncé en 2 jours. À moins qu'il ait 46 boîtes des mêmes céréales dans son placard. Ce qui est possible aussi. Il n'y a vraiment que ça qui te choque, non. C'est un truc supplémentaire, Chosy, en vrai. C'est que j'ai tellement taclé le jeu surtout que, bon, j'avais plus trop d'inspiration. Voilà, j'ai trouvé un truc supplémentaire pour le tailler davantage. C'est tout. Allez. Foutue machine. Communication coupée. Encore. Laisse tomber. Tout ce que je veux, c'est... demander pardon. Moi, je sens... le truc un peu tragique à la fin. Je rappelle que c'est un jeu qui est PEGI 18. Et je pense pas que le jeu soit PEGI 18 seulement parce qu'il traite de deuil. Je pense qu'il est PEGI 18 parce qu'il traite du deuil et parce que notre personnage risque de faire une grosse bêtise. Et du coup, je m'attends à ça. En fait, je m'attends à ça depuis le début du jeu même. Peut-être que je me trompe, hein, ou peut-être que j'ai spoil, hein. Je sais pas. Mais en fait, je vois pas où il pourrait en venir. En fait, je vois pas comment il pourrait terminer le jeu d'une autre manière. Avec ce scénario qu'ils ont mis en place et tout. Pearl, qu'est-ce que tu fais là? Viens. On va faire un tour. Papa, il va où Jean-Paul maintenant? Il est Jean-Paul là? Poisson rouge, tu veux dire? Eh ben... Jean-Paul est mort. Ouais. Tu sais... Comme toi. Finalement, tu es morte. Je sais pas trop où je dois aller. Je sais pas ce qu'il faut que j'avance juste. Ok, c'est pas là. Ok, c'est pas là. Allez, je vais encore chercher où je dois aller, putain! Il y a un objectif là? Faut prendre le bus? J'ai pété un plomb. En plus, comme si c'était pas tout, le jeu a décidé que dans ces scènes là de où il délire complet là. Eh ben ça tanguait de ouf pour nous donner bien la gerbe. Ok, on va vers Amazong.
Je sais pas où je dois aller, au secours. Il y a un mur invisible, là. Je ne sais pas. C'était pas vers la maison qu'il fallait aller. Viens, on va nager avec les dauphins comme dans le Grand Bleu. Problème solved. Mais moi, je crois que vraiment ça va se finir comme ça. Ça va vraiment se finir comme ça. Je vois pas comment il pourrait conclure le jeu autrement. Voilà. Tiens, on peut me trouver. Personne ne veut voir ses amis mourir. Mais c'est la vie. C'est comme un grand cercle. Un cercle. Oui. Tous les êtres meurent. Mais quand ça arrive, ils retournent dans la terre. Ça arrive souvent qu'un jeu non-violent soit Peggy 18. Oui, même genre. J'ai pas d'autres exemples en tête, mais... Parce que... Ils font partie de... Ce serait étonnant que le jeu soit Peggy 18 juste parce que... le personnage a perdu sa fille et c'est tout, tu vois. Pour moi, il y a quand même... il doit y avoir un cliffhanger de fin... qui justifie que ce soit Peggy 18. Et je pense que...